Coucou, donc je reviens encore avec une autre vidéo. J'en profite aujourd'hui parce qu'il fait très beau, le printemps est là, ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai envie de vous faire plein de vidéos d'affilée vu que j'ai le temps, j'en profite. Donc cette vidéo-ci, ça sera mes produits terminés, voilà. Donc j'ai quelques produits terminés. Ça fait un moment que je les ai, donc je me suis dit, on va pouvoir les jeter enfin. Là, les mires, c'est pas terrible. Bon. Donc, alors, commençons par. Bon, on va prendre au pif, hein. Donc là, j'ai un vernis donc, de chez Maybelline, pardon, New York Express Manucure Sérum de Croissant. C'est le numéro 22. Ouais, voilà. Donc. Voici, donc c'est une base en fait pour ongles. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette base. J'ai remarqué que mes ongles poussaient plus vite. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je pense le racheter. Là, j'en ai un autre à finir, mais je pense qu'après je le rachèterai sans souci. Voilà. Après, j'ai ceci. Donc c'est un petit format de chez Body Shop, pardon. C'est une crème de jour apaisante à l'aloe vera. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Voilà, ça, l'odeur est très agréable. Ça hydrate bien. J'ai aucun problème avec ce produit. En ce moment, j'utilise d'autres produits. Donc, je pense pas le racheter parce que j'ai ce qu'il faut. Mais sinon, j'aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai cette crème-ci de chez Yves Rocher. Donc, c'est la Visage et Corps Crème Douceur. Donc, c'est à la camomille bio. Donc, voilà. C'est alors 125 millilitres. J'aime bien ce produit. C'est vrai qu'avant j'aimais bien beaucoup ce produit. Donc je l'avais racheté plusieurs fois. Mais maintenant que j'ai découvert d'autres produits qui me satisfaient beaucoup plus, je pense pas du tout racheter ce produit. Je l'utilisais pour le visage que je mettais le soir en fait. Parce que je trouve que pour le corps. Ça hydrate pas très bien le corps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est vrai que ce produit, c'est, je suis assez mitigée en fait. Parce que je l'aimais bien avant, mais maintenant, vu que j'ai trouvé d'autres produits, voilà, je pense pas le racheter. Donc, je vais pas m'éterniser sur ce produit. Voilà. Après, j'ai fini. Un crayon à lèvres de chez Bourjois. Donc il s'appelle Contour Séduction. Donc c'est un stylo porte-mine. Voilà. C'est le numéro rose intense. Donc c'est le numéro 35, pardon. Donc c'était cette couleur-ci. Rose fuchsia. Voilà, donc je l'ai terminé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Je pense me racheter des crayons de chez Bourjois parce que ils ont une très bonne tenue. Voilà, rien à dire. Je pense que je vais les racheter. Voilà. Après, j'ai eu un petit. J'avais envie de vous le mettre parce que j'ai bien aimé ce parfum. Donc, c'est un parfum de chez Juicy Couture. Donc, voilà, c'est un petit échantillon, mais. Là, il est vide, hein, mais ça sent encore un peu. Et j'ai beaucoup aimé ce parfum, en fait. Donc, je pense que, bon, il ne détrône pas mon parfum préféré, La vie est belle, hein. Mais si un jour, je devais me l'acheter, je pense que je me l'achèterais parce qu'il sent très bon, c'est une odeur agréable. Donc, voilà. Après. Oui, pourquoi pas, tiens, parlons de dentifrice. J'ai terminé ce dentifrice-là de chez Émail Diamant. Donc, c'est formule bicarbonate et fluor. Donc, pour la blancheur des dents, en fait. Donc, voilà. Alors, ce produit, je vais pas le racheter parce que j'ai trouvé aucune différence
Bah sur mes dents, enfin voilà. J'ai trouvé aucune différence, donc je pense pas le racheter. Ouais, voilà. Sans commentaire. Après, j'ai fini celui-là, pardon, j'ai acheté. J'ai fini ceci. Donc, c'est un après-shampoing Schwarzkopf. Donc, pour cheveux extrêmement abîmés et secs. Donc, il est censé démêler et réparer. Moi, je suis mitigée sur ce produit en fait parce que je l'aime beaucoup parce que il rend les cheveux super doux et il démêle très bien, ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui me dérange dans ce produit, c'est que j'ai trouvé qu'il réparait pas spécialement les cheveux. En fait, il y a marqué cheveux extrêmement abîmés et secs. Et au niveau j'ai pas vu de différence. Pour la réparation, mais sinon au niveau de la douceur des cheveux, il est très très bien. Et pour... Ah non, j'en ai encore un, pardon. J'ai donc cette petite crème de chez Yves Rocher, donc c'est à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc voilà, c'est une petite crème pour nourrir le corps. Donc j'aime pas du tout l'odeur, je trouve que l'huile d'argan c'est une odeur assez forte, j'aime pas. Mais sinon, au niveau de l'hydratation, il est super hydratant. Donc, si vous avez la peau très sèche, je vous le conseille. Mais si vous êtes sensible aux odeurs, évitez ce produit. Et pour finir, j'ai terminé un petit échantillon de chez Benefit. C'est une crème une hydratation, crème visage hydratante. Pardon, j'arrive même plus à parler. Je sais pas si on voit, il y a tellement de lumière là. Donc ça se présente comme ceci. Et franchement, je suis fan de ce produit. Je vais sûrement l'acheter en grand format parce que ça hydrate super bien. L'odeur est super agréable. Ça pénètre très bien dans la peau. Donc je recommande à toutes celles qui aiment la marque Benefit et qui ont besoin d'une crème hydratante ce produit-ci parce que je l'adore. Donc voici pour mes produits terminés. Il y a beaucoup de soleil, on va pas se plaindre, hein. Ouais, voilà, on va pas se plaindre, on sort de l'hiver. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!